Bonjour à tous, bonne fête du 15 août. Notre-Dame de l'Assomption, Reine de France, priez pour nous, protégez-nous, ramenez la France, fille aînée de l'Église, aux promesses de son baptême. Merci Seigneur pour toutes ces prières qui vont monter aujourd'hui du haut du ciel, qui vont monter de la France profonde, de cette France que nous aimons, qui est celle qui est toujours vivante, toujours présente. Évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour la Corse et pour tous les pays qui ont mis la Vierge Marie sous son patronage. Nous écoutons Andrea Bocelli chanter l'Ave Maria et nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » En ce 15 août, consacrons-nous personnellement à la Vierge Marie, consacrons nos proches, tous ceux que nous aimons, les enfants en particulier, et puis consacrons notre pays. Renouvelons le vœu de Louis XIII qui avait fait ce vœu solennel pour tout son pays, que Marie serait la reine de son royaume. Regnum Mariae, Regnum Galliae. Demandez à la Vierge Marie d'être patronne de notre pays, c'est lui permettre à ce pays justement d'avoir un style marial, un accueil, une tendresse, d'être vraiment le pays de l'amour. Pas d'un amour dévoyé, pas d'un amour torturé, mais d'un amour qui donne vie, qui redonne vie, espérance et confiance, d'un amour qui console, d'un amour aussi qui accompagne jusqu'au bout, d'un amour qui est au cœur de la vie depuis son commencement jusqu'à la fin. Voilà le mystère de l'Assomption, que nos Eucharisties en ce jour nous rappellent que nous sommes aussi appelés à cette résurrection des corps après la vie éternelle pour notre âme. Soyez bénis, belle fête à tous en ce 15 août. Je suis avec vous de tout cœur, depuis le Thore. Je vous embrasse et je vous bénis. Sainte Vierge Marie, on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance aux Vierges des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Amen. Merci Marie. Merci Marie, soyez notre maman, tenez-nous dans vos bras, entourez-nous de votre manteau, protégez-nous, gardez-nous, conduisez-nous au ciel, Jésus. Amen. Belle fête de l'Assomption à tous.